Hello tout le monde, c'est Dark Fifou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est dans une snapshot, c'est précisément la 15W42A, donc c'est la dernière. Et j'ai trouvé un petit parcours avec les Elytras. Vous voyez ça? Bon oui, la snapshot a fait que je n'ai plus de skin. Donc voilà, on a des belles ailes sinon. Et donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir passer dans les anneaux grâce à nos Elytras. Donc on va tester tout de suite et on a une petite carotte qui nous permet de restart. Oula, ça commence mal. On va réessayer. Hop, hop, hop. J'ai regardé vite fait donc je sais un peu ce qu'il faut faire. Donc oui, vous passez et puis ils deviennent jaunes si c'est bon. Et là il y en a un où on est passé trop sur le bord, du coup il a pas compté. Genre comme là encore. Oui, parce que c'est peut-être pas encore bien stable ou il y a un problème de détection. J'imagine que c'est compliqué de détecter et puis si on passe des fois trop vite même, je pense que ça peut poser des problèmes. Donc là, il va essayer de falloir... Je vais essayer de piquer et de remonter comme ça. Sauf que ce n'a pas compté. Alors, je suis passé dans une certaine porte. Bref, j'ai un peu le seum. Encore le seum. Bon, on va y arriver. Le jeu va arrêter de me dire fuck you. Hop là, on remonte et on redescend. Et ça ne m'a pas compté cette porte. Encore pas compté. On va trop vite, je sais pas du tout ce qui se passe. Bon, de toute façon, ça n'avait pas compté la dernière. Voilà, niveau incomplété. On passe au suivant. Hop là, ça passe easy ma gueule. Notre skin est-il revenu? Non, toujours pas. Des fois c'est juste des problèmes de co, mais là apparemment non. On passe bien celui-là. Hop là, c'est passé. Et hop là, niveau 3. Donc il y a 10 niveaux au total. Et on va essayer de bien les réussir. C'était un petit peu plus compliqué. J'ai pas envie de me mettre en F5 parce que je suis trop moche sur ce skin. Wow, les petits coups de lag. Niveau 4 complete. Et là, ah ouais. Et ça passe. Niveau 5. Il y a mon fil qui me gênait là. Du coup, on recommence. Next niveau. Ah, lui, pas passer direct là. Et les slime blocks donnent un boost jump, comme vous pouvez voir. Puis maintenant, on peut même le voir en haut à droite de l'écran. Yolo. Donc, je gère déjà bien dès le début, je sais pas pourquoi. Ah, lui, c'était un fail. Je suis sûr, il faut faire demi-tour dedans, ça sera beaucoup plus simple. Bon, lui, il n'y a pas besoin parce qu'on a largement la marge. Oh, ah bah, ok, j'avais pas vu, mais il y en a un qui est en dessous. Donc, c'est un peu plus compliqué que prévu, en fait. Ça passe. Faut pas oublier de sneak sur les slime blocks. Ok, j'ai pas fait demi-tour dedans. Parce que si on sneak pas sur les slime blocks, on va rebondir et on va finir à l'autre bout de la planète. Oh, ça aurait pu passer, hein. On ne sait jamais. Oh, j'ai trop aimé le bruit là, de tous les petits slime blocks sur lesquels on a marché à la suite. Ça passe, regardez, hop là. Oui, on va essayer de faire demi-tour dedans. Non, on l'a pas pris, mais on peut le refaire autant de fois qu'on veut. Voilà, là on l'a eu. Et là, il va falloir passer ici. Et en dessous, si je me souviens bien, on va pas cliquer avec la canne à pêche, j'ai pas envie de restart le niveau. Allez, ça passe. Ça passe. Ça passe. Allez. On a fini le niveau 6, du coup on passe au niveau 7. Ah oui.
Très bien. Là, je vais essayer de piquer, de remonter pour avoir un peu moins de vitesse. Enfin, je crois que si on pique et qu'on remonte, on a moins de vitesse, mais elle dure plus longtemps. Du coup, c'est bien ce qu'on va vouloir pour ce niveau. Regardez, on aurait fait comme ça, on serait remonté ici et on serait fail. Du coup, c'est pas trop grave qu'on l'ait loupé. Enfin, que c'est pas compté. Bon, ça veut dire qu'on va, on risque de se faire niquer dans de prochaines aventures. On prend cher, n'empêche quand on se tape des murs. On passe trop près du bord. C'est énorme parce qu'on a quand même la masse de vitesse. Hein. Faut vraiment passer au milieu, ça donne un désavantage en plus. Je me suis fait niquer, mais genre violemment. Si j'ai réussi ce niveau, autant vous dire, bah là je me sentirais un peu genre le Seigneur des Anneaux. Oh, le jeu de mots! Le jeu de mots! Celui-là, il va falloir le prendre un peu plus à droite pour pouvoir tourner violemment ici, descendre, remonter. Mais en fait, il faut descendre, mais pas trop. Juste de quoi descendre le truc. Je me dis, ouais, moment de détente. Bon, on va sprinter. Je suis désolé, là les portes se sont pas comptées, donc je vais passer au niveau d'après. Je vais juste faire un petit slash game mode 1. Parce que pour le coup, qui compte pas quand on passe dans les portes des fois. C'est un peu dommage. Game mode 2. Allez, on a réussi un niveau de plus. Hop. Ok, virage serré. Direct, regardez. Si on prend ici, qu'on remonte et tout, le truc, c'est déjà mieux. Oh, le petit virage parfait. Là, on va juste voir lequel d'autre ça a fait lui. Donc on va prendre le boost jump, on doit passer dans lui et aller jusqu'à la fin. C'est limite impossible. Compliqué, compliqué. Hop là. J'ai failli prendre un virage parfait là. Faut pas trop se retourner non plus, parce que je vous montrerai en F5 après. Quand on se retourne trop. Nos ailes qui se froissent un peu, regardez. Hop là. Ça fait de la merde. Ouah. Regardez. Pas enfin, normal, là je fais un tour et puis. Ah non, en fait ça va. Bon. Ah lol. Avec le truc derrière, il me fait une couche de merde. Ouais. C'est trop swag là. Un truc dans chaque main comme ça. Parce que maintenant on a deux mains, faut pas oublier. Hein.
Ah ouais, là on est swag, ça fait chasseur, je sais pas quoi. J'ai l'impression d'avoir deux missiles. Oh, comment on l'a bien passé! Comment on l'a bien passé! De toute façon, on va essayer de passer les deux d'un coup là. Tout, tout, tout. Bon, c'est un petit peu compliqué tout ça. Du coup, bah, je vais vous faire, je vais prendre des trucs dans les deux mains là comme ça. Piu, 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 piu. Piu. Voilà, donc on s'amuse comme on peut, hein. Donc je propose que je dise à la prochaine. Mais avant, je veux juste vous dire un petit truc, c'est que je trouve que c'est super cool les Elytra. Parce que honnêtement, ça ouvre pas mal de possibilités en 1.9 pour tous les parcours. Bah, on peut le voir tout de suite là. Et c'est super cool. Et pour finir, j'ai envie de faire un saut sur un slime block pour se dire au revoir. Piou! Allez, ciao ciao, à plus.